Aujourd'hui, nous faisons la brandade de morue pour l'atelier cuisine. Alors, la recette pour 6 personnes, 1 kg de morue, 2 boîtes de filet, 6 à 7 décilitres, l'huile d'olive, 2-5 décilitres de lait, jus de citron, une pointe de noix de muscade, de l'ail râpé, poivre blanc, croûtons de pain, fruits à l'île. Alors, voilà la recette. Alors, couper la morue en morceaux réguliers, la faire dessaler 24 heures en renouvelant plusieurs fois. Le lendemain, mettre les morceaux de morue dans une casserole, couvrir d'eau froide et porter sur le feu. Retirer dès les premiers bouillons et égoutter. Enlever soigneusement toutes les arêtes de la morue et effeuillez-la. Préparer la quantité d'huile et de lait nécessaire dans deux casseroles. Et maintenez-le au chaud. Mettez les émincés de morue dans une autre casserole avec un décilitre d'huile tchède, travaillez fortement une cuillère en bois sur feu très doux, mieux au bain-marie. L'huile sera bien absorbée et les morceaux de morue bien écrasés. Ajoutez sans cesse de travailler à la cuillère en bois et petit à petit le restant d'huile en alternance avec le lait. Lorsque le mélange est bien crémeux, on ne distingue plus aucun morceau, assaisonné avec le jus de citron, la muscade, de l'ail râpé, le poivre moulu, un peu de sel, s'il y a lieu. Dresser la brandade chaude à point sur le plat de service et garnir avec des croûtons de pain frits. Mais c'est pas nécessaire, les crades. J'incorpore la morue à une pomme de terre bouillie, écrasée à l'aide et à lier. Là, maintenant, toute notre équipe au travail, en train d'éplucher des pommes de terre. Ouais, c'est la plus et les ailes, d'accord, il y a la